J'espère que vous allez bien, les amis. Écoutez, nous, tout va très bien. Il fait super beau. Oh mon Dieu, je vous jure que c'est trop agréable. Le soleil. Du coup, bonne Saint-Valentin donc à vous, les amis. Nous, c'est donc l'anniversaire de mon chéri. Nous partons à Rome. J'annonce aussi du beau temps à Rome. Je suis trop contente. Donc là, on va partir bientôt pour l'aéroport. Du coup, aujourd'hui aussi, donc, c'est le mercredi décembre. C'est le début du carême. Donc, bon carême donc, à toutes les personnes qui le font. Joyeux anniversaire! On va où? À Rome. On va à Rome. Bon, on arrive quasi à l'aéroport. On a pris l'option Blue Valette. Ça, c'est canon. Vraiment, c'est vraiment canon. Vous laissez votre voiture au départ. Il y a un voiturier qui récupère votre voiture. Et on n'a pas du tout à se tracasser, en fait. Votre voiture, elle est en sécurité dans un parking. Et le retour, ben, ils nous attendent. Parce qu'ils ont déjà l'heure donc, du retour de l'avion. Et on arrive et on récupère la voiture. Les amis, on est bien installés. Du coup, j'ai un petit code promo pour vous de 10%. Donc, avec Blue Valette, ils sont disponibles dans plusieurs aéroports, Marseille, Paris, Bordeaux, Toulouse. Il y a aussi quelques gares. Si vous laissez votre voiture à la gare, n'hésitez pas, vous avez le code promo juste ici. Vous allez voir l'hôtel. J'ai pris pour l'anniversaire de mon chéri. Il est trop beau. T'as hâte ou pas? Depuis quand vous le connaissez, cet hôtel? Oui, il le connaît depuis longtemps, mais je suis trop contente. Tu m'aimes? Non. Ce soir, on a réservé. Et ce soir, on a réservé dans un petit resto qu'il adore. Parce que ça fait déjà la deuxième fois qu'on va à Rome. On ne donne pas l'adresse. Par contre, on ne donnera pas l'adresse de ce resto-là parce que c'est vraiment un resto typique. Typiquement ? Non, typique. 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 C'est que des familles romaines qui vont souvent là-bas. Et du coup, il a dit, je donne pas cette adresse-là. Voilà. Par contre, demain, j'ai réservé un endroit pour faire l'apéro juste en face de la Fontaine de Trevi. Je vous passerai l'adresse et tout. Et les autres restos, on ira. Bon, ce soir, il ne veut pas donner. Non. Il ne veut pas donner le nom du resto ce soir. Je vous donnerai le nom du resto. Peut-être. Si. En plus, j'ai été voir sur leur Instagram. Il y a carrément Elon Musk qui est venu manger là-bas. Et alors? On était avant. On était avant, ça c'est vrai. On était avant. Il y a Elon Musk, il y a eu qui encore? C'était tellement bien qu'on y retournait deux. Oui, super, merci. Il y a eu Elon Musk et qui encore? Martin Scorsese. Oui, non, mais un autre aussi. Martin Scorsese. Ah, il y a aussi des joueurs de la Rome, forcément. Oui. Et un du Real Madrid aussi. Comment c'était? C'est pas? Non, je sais pas. Champion. Je vous donnerai. On vient d'arriver à l'hôtel. On est dans un bel hôtel. Juste en face du Colisée. C'est trop magnifique. C'est beau, hein? Ah, j'en ai belle, hein? Les petites vidéos, le petit lit. J'adore la salle de bain. Ah, j'adore. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On va à pied au resto ou on prend un taxi? Bah, ça fait une demi-heure. En fait, il y a 30 minutes à pied et 27 minutes en taxi. Ça, c'est vrai en plus. Bah oui, il y a la semaine. Non, on va à pied. Attention, je mets pas de talons. On profite, les amis. Le lit est bien. C'est tripaillant, ça, les films. Bah ouais. Regardez les amis, on est à l'entrée de l'hôtel, enfin dans le lobby. Et en fait, c'est le bar de l'hôtel, ils sont en live. C'est trop bien, j'adore. Bon, on est dans le taxi. Par contre, il y a de la circulation à mort, les amis. Un kilomètre, 20 minutes. Ça va être une minute là. Mais bon, on va aller manger.